Good morning, allez, Iden, les Susra, aujourd'hui, les Lonishmat, François Fachiben Khana, Janine Ruth, Batforto de Mazal Frit, Nakolo, Shlomo Ben Shalom, et Shaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Maserhet PA, Perek Zain, Mishnah Gimel, Eizeu Peret, Anosher Bishat Abetzira, Haya Botzer, Akats et Aishkol, Usbach Bealim, Nafal Miyadola Anretz Venifrat, הראו של בעל הבית, המניח את הכלכלה תחת הגפן בשעה שהוא בוצר, הרי זה גוזל את העניים, ועל זה נאמר על תשג גבול עולים. En parallèle avec l'intérêt, avec la mitzvah de leket, vous vous rappelez c'est quoi le leket? Lorsque je fauche mon blé, il y a un épi qui me tombe des mains, alors je dois le laisser par terre pour les pauvres. On a appris toutes sortes de halachot. Dans les détails, ça remonte beaucoup plus loin. Ouais, c'est ne pas confondre avec shichecha. Il y a leket et shichecha, c'est deux choses différentes. Leket, c'est pendant que je cueille, il y a quelque chose qui me tombe des mains. Et shichecha, c'est une fois que je ramasse ou pendant que je fauche, je laisse en épi, ça c'est shichecha. On revient donc sur le leket. C'est pendant que je cueille, l'ilkot, les laquettes, cueillir. Pendant que je suis en train de cueillir, il y en a un qui me tombe des mains, je dois le laisser pour les pauvres. Et ben, on a le même principe aussi, une mitzvah spéciale, avec la vigne, lorsque je cueille mon raisin, pendant que je cueille mon raisin, je dois laisser peret ve olelot. Pour le moment, dans notre champ, on va parler de ou peret karmecha lote laket, ve karmecha lote olel. C'est deux mitzvot distinctes. Pour le moment, on s'intéresse à la première. Je dis d'abord, grosso modo, les deux, comme ça on a déjà l'idée. Peret, ça fonctionne en parallèle avec le leket, c'est-à-dire pendant que je cueille, il y a un grain de raisin qui va tomber par terre, je dois le laisser pour les pauvres. Et on va prendre dans notre Mishnah les conditions requises pour que ça appartienne aux pauvres, et dans quel cas j'ai le droit de le ramasser moi-même. Et dans la prochaine Mishnah, on va s'intéresser à Olelot. Ce sont des petites grappes, qui sont en fait pas vraiment des grappes, qui sont des branches, des brindilles de raisin peu fournies, que je dois les laisser sur l'arbre pour les pauvres. C'est spécial, on verra ça dans la prochaine Mishnah en détail. Donc en fait, on a le peret, c'est mamash, ça ressemble réellement au leket. Pendant que tu cueilles ton raisin, il y en a un qui tombe des mains, tu dois un grain qui te tombe des mains, pas une grappe, un grain tu dois laisser pour les pauvres, t'as pas le droit de le ramasser pour toi. Mais comme on avait vu aussi pour le leket, s'il y a une cause pourquoi ça t'est tombé des mains, par exemple, il y a quelqu'un tu t'es fait piquer ta main, et à cause de ça, t'as été surpris, t'as réussi à tomber. C'est pas quelque chose qui est tombé pendant que tu cueilles. Alors on a le même principe aussi avec le peret, et c'est la Mishnah qui va me donner les conditions. Eizeu Peret, qu'est-ce qu'on considère comme Peret qu'il faut laisser pour les pauvres? Anosher Bishat Abetzira, ce qui te tombe des mains, Bishat Abetzira, pendant que tu vendanges, pendant que tu cueilles ton raisin. Haya Botser, s'il était en train de cueillir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Akat c'était Eshkol, il a mis un coup de couteau sur le Eshkol, Akat ça veut dire qu'il a Khatar, comme nous dit le Bartanora, il a coupé le Eshkol, et puis à cause de ça, il a mis un coup sur un raisin qui est tombé. Ou encore, Usbach Bealim, il s'est, pendant que tu as voulu reprendre la grappe pour la prendre, elle s'est accrochée à une petite branche d'un côté, et puis à cause de ça, ça t'est tombé, ça fait un petit accrochage, t'as tiré, à cause de ça, il y a un grain qui est tombé. Ou encore, Nafal Veyadola Aretz Venifrat, ou encore, une autre situation, c'est que tu avais toute ta grappe qui est tombée par terre, et quand elle est tombée par terre, avec le coup et le choc qu'elle a eu, elle s'est séparée en petits grains de raisin distincts. Et bien, dans tous ces cas, la Mishnah me dit, « Areu, Shelba, Labaït, tous ces grains de raisin appartiennent au propriétaire. » Parce que c'est pas pendant que tu cueilles et que tu le transportes, il y en a un qui te tombe. Il y a eu une cause extérieure, pourquoi tu étais surpris, ça t'est tombé des mains, ou soit encore, c'est pas tombé indépendamment, un grain indépendant, tout seul, mais c'est plutôt parce qu'une fois que c'est tombé par terre, ça s'est dispersé. Donc tout ça, ça ne s'appelle pas du peret. Et la Mishnah continue en me disant, « Amaniach et ha-kalkala tachat ha-gefen besha'a shehu botzer » Celui qui met son panier, il pose son panier sous la vigne, « besha'a shehu botzer » pendant qu'il est en train de cueillir son raisin, de couper son raisin, eh bien il met un panier comme ça, maximum ce qui tombe, ça tombe chez lui. La Mishnah me dit, Arezé Gozel et Anim. Cette personne-là, il vole les pauvres. Parce que la Torah l'a dit, ça appartient aux pauvres. Dès que c'est au moment où ça te tombe
Qu'est-ce qui te tombe pendant que tu cueilles, pendant que tu arraches ta branche? S'il y en a un qui te tombe, tu dois laisser pour le pauvre. Toi, tu vas pour le récupérer, tu es en train de voler les pauvres. Al-Zenema, sur ça, le pasouk nous a dit, Al-Taseg Gevul Olim, un pasouk dans Michel qui te dit que ce qu'on a délimité, c'est ce qui est à toi et ce qui est aux autres, tu n'as pas le droit de déplacer la frontière de ton... Littéralement, Al-Taseg Gevul Olim, c'est que lorsqu'on a une barrière entre deux champs, ne déplace pas la barrière des champs. C'est-à-dire chaque chose, elle est définie avec sa propriété. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour moi, ça me revient. Et dès que, si tu oses toucher à ça, tu transgresses cet interdit-là de Michelet, Altasek Vololim, il y a les commentateurs ici qui posent une question plus profonde, que finalement, il y a un vrai interdit de vol. Si tu me rapportes un pasouk de Michelet, tu es un voleur tout court. Bon, on va pas ranger sur la question. En tout cas, on transgresse même cet interdit-là. D'accord? C'est clair? Bezrat Hashem, dans la prochaine Mishnah, on va apprendre maintenant ce sera quoi Olelot, Bezrat Hashem. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, comme tout cela.